هذا العدد برعاية للابوغاتوار فراتير غازيس. Et est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, on parle suffisamment de ce type de nouveaux médicaments? Je mets « nouveau » entre parenthèses, peut-être pour nous, mais pour d'autres pays, c'est déjà... Il faut en parler un peu plus pour convaincre les patients de manière générale, les médecins, et puis je répète surtout les pharmaciens. Mm-hmm. Parce que les pharmaciens... Jouent un rôle important dans l'interchangeabilité, la substitution. Puisque en France, par exemple... ils ont le pouvoir de substituer, d'interchanger sur la prescription du médecin. Le pharmacien a le pouvoir de substituer un biosimilaire à un produit biologique de référence, notamment en rhumatologie pour les médicaments utilisés en officine. Et pour l'Algérie ? Pour l'Algérie, pour le moment, pas encore. Faute de réglementation, donc on l'attend. Et les pharmaciens doivent être en première ligne, qu'ils soient d'ailleurs les pharmaciens hospitaliers ou les pharmaciens d'officine, doivent être en première ligne dans cette utilisation biosimilaire, comme ils ont été en première ligne dans l'utilisation des génériques. D'accord.